Bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer comment on fait la manche de pull sur une machine simple fonture. Voilà, on a sorti par exemple, ça c'est on fait le calcul de pull. Donc moi j'ai fait un calcul de miniature. Et on tourne comme ça, chaque crochet, on tourne le fil dessus comme ça. Voilà. Passe un rond. Deux rangs. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, et là, on tire un peu. Et après, on fait comme ça. Celui-là qui est vide. On le fait comme ça. On remplit tous les crochets vides. Après, on ramène tous les crochets, on tire un peu par là. Et là, on passe un rang doucement. Passe doucement. Parce que comme si... un petit peu. On l'ouvre avec le travail. On va voir ce qu'on a fait. Voilà, ça fait comme ça. Ça, c'est le commencement d'un tricot ou d'un pull ou d'un gilet, comme l'autre machine, les côtes et le jersey. C'est là où on commence comme ça. Voilà. Écoute, j'espère que c'est clair. On n'a pas besoin d'une grande machine pour faire les côtes. La coller et ça fait comme ça. Allez, à bientôt les filles. Merci.